Chadena est située en dessous d'Embrun, au bord de la retenue de Serponçon. Le niveau est très bas à cause de la sécheresse. Il manque 5 à 6 mètres d'eau. La région est fortement travaillée par l'érosion pluviale et les cheminées d'effets y sont nombreuses. Une partie du groupe a descendu depuis le Galibier jusqu'à Briançon et se trouve donc un peu attardée. Pas de problème. Nous les attendons confortablement. Nous formons deux groupes. D'un côté, des vélos à assistance électrique, à l'exception d'un musculaire mais de très haut niveau. Et de l'autre côté, le groupe touriste, qui lui n'est que musculaire. Votre caméraman fait partie du groupe touriste. On est monté par la route à la station des Ors et on va descendre par la descente VTT fléchée sur Baratier à côté d'Embrun. Ils sont pas sympas les trois petits vieux. Ils se sont arrêtés un moment pour tailler une bavette. Après l'effort, le réconfort, c'est le pot officiel de début de séjour et le groupe est au complet. Bravo. Bravo. La médaille de musculaire. Bravo à vous. Quel homme. Bonjour monsieur. Le caméraman est distrait, ça tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, il a carrément oublié son caméscope. Alors il a filmé avec son portable. C'est ce qui explique la
qualité pas très bonne des images que vous voyez. Faut bien quand même garder un souvenir de cette sortie. Le caméraman a récupéré son caméscope pour cette visite pédestre d'Embrun. Santé. À droite ou à gauche? À gauche. Passe derrière moi là. Nous allons à l'abbaye de Boscodon. Au bord de la Durance, des passerelles très astucieuses ont été installées pour permettre de franchir des zones impraticables autrement. Le niveau du lac, très bas, permet de revoir un pont de l'ancienne route de Savines. Elle est belle, la nature. Allez, je me tiens, Gaby. Je ne sais pas bouger. Voilà. Donne-moi ton épaule. C'est bien un chien patou. Heureusement, il y a un barbelé qu'on ne voit pas très bien qui nous protège. Thank you.
Le groupe équipé de vélos électriques nous a rejoints pour le casse-croûte. Objectif, cheminée des fées, au-dessus de la cabane des fontainiers. Nous n'avons pas vu les cheminées des fées. Trop loin, trop haut. Nous préférons faire une descente améliorée qui va nous amener directement au centre de vacances. Bonjour monsieur. Mais c'est normal, t'as pas de...
Totalement ouvert. Ce séjour 2019 est terminé. Nous avons passé 5 journées magnifiques dans un cadre splendide. La région est tellement riche en randonnées de toutes sortes qu'on se dit que ce serait bien d'y revenir encore une fois.